Bien-aimés dans le Seigneur, qui nous suivez de près et de loin, nous vous saluons au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous voulons partager la parole de l'Éternel, la parole de vie. Aimez la parole de Dieu. Le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu va durer éternellement. Là, c'est Matthieu 24, verset 35. Moi, c'est frère Abel Mulengero, du Sud Kivu, de la RD Congo, République démocratique du Congo. Nous prêchons l'évangile éternel pour le temps de la fin, dans sa phase du réveil, suivi d'une réforme. Réveil, que les gens se convertissent et qu'ils reviennent à Dieu de tout leur cœur. La réforme, qu'ils abandonnent les mensonges et marcher dans la vérité. Nous voulons partager un thème intitulé « Un christianisme vivant ». La bonne religion doit développer à nous un christianisme vivant, un christianisme réel. Mais aussi, nous allons voir l'importance de l'oignon, parce que Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé. Avant cela, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette opportunité. Vous nous donnez l'occasion d'écouter ta parole, que ton nom soit glorifié. Nous sommes tous pécheurs. Que le sang de ton Fils puisse nous pardonner, nous purifier et que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Nous voulons partager ta parole. Élimine nos âmes par le Saint-Esprit afin qu'il puisse faciliter la compréhension de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé. Santé physique, santé spirituelle, santé intellectuelle, santé économique. Mais Satan, il est notre ennemi, cherche toujours à nous détruire, comme c'est écrit dans Jean, chapitre 10, verset 10. Mais Jésus, il est notre ami fidèle. Il vient en ce monde pour nous donner la paix, pour nous donner la santé et pour nous réjouir, nous préparer en ce monde afin que nous puissions obtenir la vie éternelle. Parlons d'un christianisme vivant. Dans ce christianisme, ça marche avec un corps saint. On parle d'un esprit saint dans un corps saint. Notre corps doit être le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous dit ce qui suit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nos corps, c'est le temple, la demeure du Saint-Esprit. Nous devons éviter à tout prix tout ce qui peut nuire à notre santé physique. Si cela arrivait, ça va aussi nuire notre santé intellectuelle et notre santé spirituelle. Donc, pour avoir un corps saint, un esprit saint, il faut avoir aussi un corps saint. Il y a, Satan a déjà mis beaucoup de choses. Il a déjà préparé beaucoup de choses qui puissent nuire à notre santé, entre autres. Les boissons alcoolisées, les nicotines dans le tabac et dans les cigarettes, la caféine, les théophyllines, ainsi que beaucoup d'autres choses qui sont
nuisibles à notre santé. Et Dieu, par Jésus, il veut restaurer notre corps. Quand Jésus vint dans ce monde, il avait rencontré beaucoup de gens malades. Et il a lutté contre la maladie, contre la souffrance de l'humanité. Dans Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il les chassa par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est Jésus. Il a envoyé l'évangile pour que cet évangile puisse restaurer notre santé physique, notre santé intellectuelle, notre santé spirituelle. Parlons du bienfait de l'oignon. L'oignon, c'est parmi les légumes que Dieu a prévus et qui sont le réservoir de beaucoup d'éléments pour notre santé. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ailes. Voilà. Ça montre que l'ail remonte depuis des temps anciens. Et les gens qui cherchaient à être en bonne santé devaient consommer de l'ail cru, devaient consommer de l'oignon cru, devaient consommer aussi des poireaux et des melons. Maintenant, parlons de l'oignon. Parlons de l'oignon. Et puis, nous allons parler d'un christianisme vivant qui nous permettra, qui nous permet d'abord de vivre une vie authentique, qui fait plaisir aux hommes, qui est en bénédiction aux hommes, qui fait honneur à notre Créateur et qui nous permettra un jour d'arriver au ciel. Là, c'est un christianisme vivant. Mais avant cela, parlons du bienfait de l'oignon. L'oignon, de la famille Allium avec l'ail et les poireaux, l'oignon originaire de l'Asie de l'Est est une nourriture médicament, des valeurs et des vertus nutritionnelles, préventives et curatives, presque similaires à l'ail. Il est riche en vitamine A, là c'est l'oignon, en vitamine BC, en vitamine C, en vitamine E, avec beaucoup de sels minéraux, comme le calcium, le potassium, le magnésium, le phosphore. Par sa vitamine A, l'oignon contribue au maintien de la vision, de la croissance et lutte contre la cachexie et les règles douloureuses, solidifie les os et les dents. Par sa vitamine BC, l'oignon contribue pour un équilibre mental et un discernement développé permettant de distinguer entre le bien et le mal et aide à l'assiduité dans l'apprentissage. Par sa vitamine C, l'oignon prévient les maladies de la peau, l'affaiblissement et les maladies contagieuses étant un antibiotique puissant. Par sa vitamine E, l'oignon favorise la bonne fonction de l'appareil génital masculin et l'appareil génital féminin. C'est un aliment aphrodisiaque, c'est-à-dire ça facilite la santé de l'hypophyse et de l'intestin, équilibre l'ovaire et la fabrication des spermatozoïdes fortifie le cœur et favorise la bonne circulation. Parlons de sa vertu curative. L'oignon guérit les hépatites, détoxifie les foies. Ça guérit le vertige, ça guérit les rhumatismes et les arthrites.
Ça guérit l'anorexie. Ça guérit l'indigestion et la constipation. L'oignon guérit l'asthme, guérit la toux, la fièvre, la grippe, l'angine, la bronchite, la goitre. L'oignon guérit les maladies cardiovasculaires. L'oignon guérit les vers intestinaux, entre autres les oxures, les ascaris, etc. L'oignon guérit les néphrites, purifie les reins. L'oignon guérit les tumeurs et les maladies de la peau. Comment l'employer? Pour bénéficier des bienfaits de l'oignon, il est préférable de les consommer crus dans la salade. Ensemble avec les citrons et du miel, c'est un réservoir de beaucoup d'éléments dont l'organisme a besoin pour guérir de beaucoup de maladies. On peut faire aussi l'infusion de 4 oignons coupés dans 1 litre d'eau et prendre un verre matin et soir pendant 10 jours. On peut aussi l'écraser et l'appliquer en cataplasme sur les tumeurs, les furoncles, les plaies et les éruptions cutanées. Son jus avec du citron et du miel soigne les maladies pulmonaires et la grippe. Son essence, essence que dégage l'oignon coupé, soulage la congestion nasale, fluidifie les mucus et combat les germes pathogènes de la grippe. Il est prouvé que les essences de l'ail et de l'oignon éliminent les virus. Elles sont en outre antioxydants et immunostimulantes. Elles augmentent les défenses. Notre Créateur a tout prévu pour que ses enfants soient en bonne santé, d'après le 3e épître de Jean, verset 2. Aux obéissants, la paix est assurée. Mais aux désobéissants, aucune promesse, d'après Ésaïe, chapitre 1er, verset 19. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Si vous avez de la bonne voix, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la bonne santé, consommez de l'oignon cru. Ça va vous aider et vous allez voir que Dieu a tout prévu pour notre santé physique dans la nature, et notre santé spirituelle dans sa parole, et notre salut dans Jésus. Mais cela doit être suivi, pas précédé par l'obéissance. Parlons d'un christianisme vivant. Quand on parle d'un christianisme vivant, il y a aussi un christianisme fictif, trompeur, comme Jésus l'avait prédit dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Il a dit que parmi les signes des temps de la fin, il y aura un faux christianisme. Matthieu 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et séduiront beaucoup de gens. Ici, on nous montre les dangers de la fausseté qui va envahir le monde entier sous forme, sous l'apparence de la religion. Parlons d'un christianisme vivant qui peut mener, qui peut aider à mener une vie chrétienne authentique et qui peut nous préparer pour la vie éternelle. Dans Romains chapitre 8, nous lisons au verset, Romains chapitre 8, lisons au verset 29. Car tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Jésus était venu pour qu'il y ait les gens qui croient en sa parole, en sa vérité, mais qui vont refléter son image, qui doivent vivre comme Jésus a vécu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, la Bible nous dit ceci.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme Jésus, comme lui aussi a marché, Je relis. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même, comme a marché lui-même. C'est ça le christianisme. Vivre comme Jésus, marcher comme Jésus a marché. C'est le signe caractéristique d'un christianisme vivant. Les gens qui ressemblent à Jésus dans leur manière de penser, dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir. Comment Jésus vécu? Comment Jésus vécu en ce monde? Dans 1 Pierre, chapitre 3, nous allons lire au verset 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, nous dit ceci. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui jugeait justement. Ça, c'était la vie de Jésus. Il n'a point commis de péché. Dans sa bouche, aucune mauvaise parole. Injurié, il ne rendait point de mal. Maltraité, il ne faisait point de menace. C'était ça la vie de Jésus. Relisons dans Actes des Apôtres pour voir la vie de Jésus, comment il a vécu. Comment il a vécu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, et qui allait d'un lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est comme ça que Jésus a vécu. Il n'a point commis de péché. Dans sa bouche, aucune mauvaise parole. Lorsqu'il a été injurié, il ne rendait pas le mal contre le mal. Et partout où il allait, il faisait beaucoup de bien. Voilà la vie de Jésus. Dans le vrai christianisme, il y a des éléments suivants. Il y a la sainteté. Il y a l'amour. Il y a la bonté. Il y a la miséricorde et la compassion. Il y a savoir pardonner à ceux qui vous ont tort. Il y a la douceur, il y a aussi la fidélité ou l'obéissance stricte à sa parole, à ses commandements. Ceux qui vivent ainsi sont des véritables chrétiens. Parlons de la sainteté. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16, la Bible nous dit ce qui suit. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16, la Bible nous dit. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Sans la sainteté, personne ne peut être reconnu au ciel comme chrétien. Matthieu, chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez d'abord la sainteté et la vie et la paix avec tous. À ce moment, c'est ainsi que nous pourrons voir la face de notre Créateur. 2. Nous devons avoir l'amour. Si nous voulons être des chrétiens authentiques. 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime un est de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà. C'est ainsi que Jésus, en voulant quitter ses disciples, il leur avait donné un nouveau commandement. Il avait dit, aimez-vous les uns les autres. Un chrétien authentique doit avoir l'amour. Après avoir eu la sainteté, abandonner tout péché, se repentir de tout péché et marcher dans la voie des commandements de Dieu, et être purifié par la parole de Dieu. 3. Être bon.
Être bon, c'est quelqu'un qui pratique la bonté. La bonté. Dans les Romains, chapitre 2, verset 6, nous parle des gens qui pourront entrer dans la gloire de Dieu. Ce sont les gens qui ont pratiqué de la bonté. Romains, chapitre 2, verset 6, « Qui rendra à chacun selon ses œuvres ?» Verset 7, « Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » 4, nous devons avoir la compassion et la miséricorde envers les pauvres, envers les malades, envers les souffrants. Ne font pas vivre dans l'égocentrisme, être égoïste. Non, nous devons être généreux envers les pauvres, leur venir en aide. Nous devons savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Même Jésus a donné un enseignement quant à la prière. Il a dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 6, nous devons être doux et humbles et ne pas être des hommes colériques, des hommes qui pensent à la vengeance, mais nous devons cultiver la douceur du Christ. Et enfin, nous devons être obéissants à la parole de Dieu, obéissants au commandement de Dieu. D'après Jean, chapitre 8, versets 31 à 32, il a dit que nous devons demeurer obéissance à sa parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et si nous obéissons au commandement de Dieu, c'est ça la fidélité. Si nous obéissons à sa parole, c'est ça la fidélité. Et quand nous avons ces caractéristiques, la sainteté, l'amour, la bonté, la compassion et la miséricorde, la douceur, pardonner aux ennemis, pardonner à ceux qui nous ont offensés, et puis vivre dans la fidélité, nous sommes des véritables chrétiens. Et cette vie peut plaire, va plaire aux hommes, et ça va plaire aussi à Dieu. Qu'elle nous donne un christianisme vivant qui honore Dieu et qui vienne en aide à nos semblables et qui nous prépare pour le ciel. Au nom de Jésus, amen.